Puis d'épaisses congrès utopiques aussi, on attend toujours, je ne sais pas s'il y a déjà une date officielle par rapport à ce congrès. D'ailleurs, on dit que ce sera simplement un congrès pour adouber Félix Tshisekedi, qui serait président de ce parti et ipso facto aussi candidat à la présidence de la République. Donc pour vous, c'est quoi ce congrès? Quelle sera vraiment la finalité de ce congrès? Bon, moi déjà, je félicite tous les partis politiques qui affûtent leurs armes. Hein. Je félicite l'UDPS qui va aller au congrès, Je félicite les alliances qui se font par-ci par-là, même si c'est deux fois contre nature, je les félicite. On a appris également que le pouvoir en place avait déjà un central électoral. Donc du coup, ce n'est pas le propre de l'UDPS aujourd'hui de penser avoir réalisé un congrès. Alors, le problème, c'est que ressortira ce congrès? La population a les yeux braqués sur l'après Étienne Tshisekedi. Les fidèles, les adeptes et même tous les fans d'Étienne Tshisekedi savent que le vieux est parti et à ce jour, on ne l'a jamais enterré. Ce sont des questions qui ne devront, pour eux, ces questions devront trouver réponse aussi au congrès. Ce n'est pas seulement sortir un chef en disant voilà, nous avons désigné notre candidat, c'est aussi répondre à des problèmes qui dérangent le parti. J'ai toujours dit que l'UDPS survivra. C'est le rassemblement qui mourra. C'est un mot, c'est un verbe fort, mourir. Mais c'est clair que le rassemblement ne va pas certainement résister à tout ce vent, coup de vent qui souffle. Nous, mais l'UDPS en soi.